Alors, bonjour et bienvenue au Café des sciences organisé par Orient et Méditerranée. Le thème cette année sera « Dans la marmite de l'histoire, le rôle de la nourriture et de la cuisine ». Ce café est organisé dans le cadre de la Fête de la science 2016 à l'espace Pierre-Gilles de Gênes et je tiens à remercier l'association Trace qui nous invite dans ce lieu ainsi que la délégation CNRS Paria qui nous soutient pour l'organisation de ce tournage. Le café se déroulera en deux parties que nous séparons par une petite pause. Et en fin de deuxième partie, je donnerai la parole au public qui pourra poser ses questions aux invités. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc nos invités. En partant de ma gauche et en suivant le fil conducteur. Donc à ma gauche, Madame Alice Mouton est directrice de recherche au CNRS auprès de l'équipe Monde Sémitique de l'UMR Orient et Méditerranée. Elle est spécialiste en hittitologie, excusez-moi, qu'elle enseigne à l'Institut catholique de Paris. À côté d'elle, Madame Alessia Guardasol est chargée de recherche au CNRS auprès de l'équipe médecine grecque de l'UMR Orient et Méditerranée, docteur en philologie grecque et latine en Italie. Elle est spécialiste des textes médicaux anciens. Ensuite, Monsieur François Barat est professeur émérite d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Antiquité tardive à l'Université de Paris-Sorbonne et membre d'Orient et Méditerranée. Il a été conservateur en chef au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, au sein duquel il exerçait plus particulièrement la responsabilité de la section romaine. Madame Béatrice Chevalier-Cazot est professeure en histoire byzantine à l'Université Paris-Sorbonne, membre du laboratoire Orient-Méditerranée et directrice du LABEX RESMED. Elle est l'auteur du livre « Nourriture terrestre, nourriture céleste, la culture alimentaire à Byzance ». Enfin, M. Hervé Tisse est physico-chimiste, directeur de l'International Center for Molecular Gastronomy AgroParisTech INRA, directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences, secrétaire de la section Alimentation Humaine de l'Académie d'Agriculture de France. Il est co-créateur de la gastronomie moléculaire et de la cuisine moléculaire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cuisine, dont « Mon histoire de cuisine ». Bien, nous allons commencer par ordre chronologique. Donc, je me tourne vers Alice Mouton et je commence à vous poser cette question. Oui, le micro, merci. Alors, nous nous situons avec les Hittites dans la période du XVIe siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'âge de bronze dans la zone de l'Anatolie et de la Turquie actuelle. Alors, quelles sont les sources qui ont permis de connaître la nourriture des Hittites ? Alors, nous disposons actuellement d'environ 30 000 fragments de tablettes cunéiformes qui sont en argile et qui nous décrivent la vie quotidienne de l'élite du royaume hittite à partir du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près sur 4 siècles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut savoir de ces textes ? Ils sont destinés à quoi particulièrement et à qui ? Alors, ce sont principalement des textes de l'administration qui sont archivés pour des besoins quotidiens. Alors, par exemple, pour ce qui concerne la religion, il y a des aides-mémoires de rituels ou de grandes fêtes culturelles pour que les experts sachent quelle opération rituelle il faut faire à quel moment. Mais on a aussi des tablettes scolaires, on a de la correspondance. Donc, on archive aussi les lettres qui sont échangées entre les grands souverains. On a plein de textes différents. On a des comptes rendus oraculaires, c'est-à-dire quand on pose des questions aux divinités au nom du roi, de la reine ou d'un proche dans le royaume, on note à la fois la question et la réponse. Donc c'est des textes assez techniques, en fait, hein, que seuls les devins sont vraiment à même de comprendre. Donc il faut savoir que tous nos textes ne sont pas des textes pédagogiques, écrits pour nous, malheureusement, mais bien des textes pour des spécialistes qui sont utilisés, consultés de manière ponctuelle ou régulière. Et donc, on parle de la cuisine pour le roi, pour le dieu. De quel type de cuisine parle-t-on là ? Alors, c'est surtout la cuisine pour les dieux qui est connue, car la très grande majorité de nos textes sont des textes religieux. Et dans ces textes religieux, le sacrifice, donc les offrandes alimentaires, sont omniprésentes. Donc, en fait, on connaît de manière très détaillée ce que les dieux hittites aiment manger. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent ? Des viandes, des fruits ? Beaucoup de viande. Alors, ils adorent la viande, visiblement.
C'est clairement l'aliment le plus prestigieux, mais aussi parfois des légumes, des fruits. Ils boivent beaucoup. Ils boivent beaucoup d'alcool, des bières, du vin, du pain. Alors, le pain est omniprésent et on a des centaines de noms de pains différents. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. Donc, parfois, c'est clair, parfois, c'est vraiment pas clair. Et c'est vrai qu'il y a une diversité dans les aliments qui est vraiment inouïe. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément une vision globale de tout ça. Mais en ce qui concerne les viandes, on a quand même une idée très précise. D'accord. Et en fait, donc, cette nourriture qui est offerte au dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Le dieu, il la mange et après, qu'est-ce qu'il devient ? Oui, en fait, d'abord, la viande, il faut la préparer rituellement. On ne peut pas offrir n'importe quoi à la divinité, donc c'est très compliqué. Il y a tout un processus de préparation rituelle de l'aliment. Je parle de la viande, mais c'est n'importe quel aliment, en fait, qui doit être d'abord purifié, consacré, donc préparé rituellement, pour qu'elle soit digne d'être déposée sur la table divine. Et ensuite, les textes, évidemment, n'expliquent pas le phénomène de la consommation divine, ça serait trop beau. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on dépose l'aliment sur la table, on le laisse là un certain laps de temps, a priori une nuit au moins, et symboliquement, la consommation divine se fait pendant ce temps-là. Et le lendemain, les textes disent clairement que cette viande peut être, ou cet aliment peut être récupéré et mangé par les humains présents. D'accord. Donc il n'y a plus aucun problème. En revanche, il est clair qu'il est totalement interdit de manger l'aliment avant de le déposer sur la table, parce que là, c'est du vol. Donc ça, c'est très, très mal. Mais après l'avoir déposé, attendu que le dieu mange symboliquement l'aliment, il n'y a plus aucun problème et on peut redistribuer l'aliment et le manger. Alors, on a un descriptif aussi de comment on consacre ces aliments. Il y a des techniques, il y a des règles qui s'imposent, justement. Et c'est là qu'on on a des tablettes qui vont nous expliquer ou... Absolument, absolument. Alors, par exemple, pour le pain, on a un texte d'instruction des membres du personnel du temple, et notamment les instructions précises que les boulangers du temple doivent suivre pour préparer le pain, qui sera le pain de sacrifice. Donc, il y a des tas et des tas et des tas de sortes de pains différents. Il y a le pain plat, il y a le pain noir, le pain blanc, le pain rouge, il y a toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, le pain en forme de raisin, le gros pain. Et après, il y a tous ces noms de pain dont on n'a absolument aucune idée de ce que ça peut être, en fait, puisqu'on a juste le nom et on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà, mais le pain plat, par exemple, est très très courant. Il y a les pains sucrés aussi, il y a les pains à l'huile. Bon, alors c'est vraiment c'est infini. Et donc le boulanger, pour préparer ce pain de sacrifice, doit lui-même être en état de pureté rituelle. C'est-à-dire qu'il doit couper tous ses ongles à ras, il doit se raser les cheveux, la barbe, les cils, aucun poil nulle part, être extrêmement propre, s'être lavé avant évidemment. Et puis dans sa cuisine, il est évidemment absolument impossible de laisser entrer une quelconque entité impure, comme par exemple les textes mentionnent un chien ou un cochon qui pourrait rentrer par accident. Et alors c'est une catastrophe absolue, donc il faut tout recommencer, tout purifier, tout recommencer. Et ça, c'est seulement une étape, parce qu'après, il y a tous les rites de consécration qui peuvent se faire par l'encens, en fait, par la fumigation, notamment, c'est une pratique très courante. Et puis, il y a des paroles, sûrement, aussi, de dédicace, c'est-à-dire que le prêtre doit dédier, par la parole, le pain à la divinité avant même de la déposer sur la table. D'accord. Alors, je crois que vous m'aviez parlé d'une anecdote. Ou une personne, justement, a eu le malheur de faire tomber un cheveu, je crois, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est devenu, ce pauvre malheureux ? Voilà, absolument. Parce qu'en fait, les règles de pureté qui s'appliquent aux aliments divins s'appliquent également aux aliments royaux, car chez les Hittites, le roi a un statut quasi-divin. C'est-à-dire c'est l'intermédiaire naturel entre les humains et les dieux. Et donc, à cause de ce statut un peu sacro-saint, les règles de pureté sont extrêmement strictes avec lui aussi. Donc, ces aliments, à lui, doivent être purifiés, consacrés, etc., comme s'il était un dieu, quasiment. Or, un jour, un roi raconte sur une tablette qu'il a trouvé un cheveu dans son aliment. Et donc, ça l'a mis très en colère. Il a fait une enquête. Il a demandé à tout le monde pour savoir qui était le coupable, le cheveu de qui c'était. Et quand ils ont trouvé le pauvre coupable présumé, ça s'est assez mal fini pour lui, en fait. Il a été tué parce qu'il avait souillé la nourriture du roi. Et c'est un crime. On peut imaginer que le roi lui a dû faire tout un rituel pour se purifier. Absolument. Je pense que même simplement le contact visuel avec un élément impur, absolument. Parce qu'on a des instructions aux gardes du corps du roi qui disent
qu'eux-mêmes doivent être purs. Et s'ils arrivent souillés auprès du roi, ils souillent le roi. Donc c'est très grave. Effectivement, je pense que le roi Hittite passait son temps à se purifier à la moindre occasion parce qu'il était très grave de rester dans un état d'impureté pour lui. Et on a parlé de la nourriture, mais les boissons, qu'est-ce qu'on a comme boisson pour honorer le dieu et le roi? Alors comme je disais, les boissons les plus courantes, c'est quand même les boissons alcoolisées. Visiblement, ils sont tous complètement alcooliques en Anatolie Hittite. Et donc il y a des tas de vins différents, il y a des tas de bières différentes. Et puis, il y a une boisson qu'ils appellent vin-bière. On ne sait absolument pas ce que c'est. Donc, il y en a qui disent que c'est une sorte de vin où ils mettent de la bière dedans, ou d'autres qui disent que c'est une sorte de bière où ils mettent du vin dedans. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et puis, de temps en temps, du lait qui apparaît ici et là. L'eau, jamais. Jamais l'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le traitement médical et la cuisine? Ou est-ce que ça se rejoint? Disons qu'en fait, dans le cadre de la thérapeutique, on peut soigner quelqu'un en lui faisant ingérer quelque chose. Donc, il y a un lien avec l'alimentation qui est évident. On voit pas mal de textes où la personne doit ingérer une plante, notamment donc les plantes médicinales, même si on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, parce qu'on a juste le nom, donc on ne sait pas très bien de quelle plante il s'agit. Il y a une plante qui a été traduite par certains par pavot. Donc, on pense qu'il pourrait y avoir aussi une pratique d'utilisation de, comment il faut dire, hallucinogène, c'est ça, mais dans un contexte d'incubation, c'est-à-dire un rituel où on essaie de provoquer un rêve. Donc c'est quand même assez logique aussi. Et puis il y a ce fameux rituel qui est assez amusant, un rituel pour un petit enfant, sans doute un prince royal, hein, pas n'importe quel gamin dans la rue, qui est malade, qui a des entrailles compressées, dit le texte, donc visiblement un problème intestinal. Et pour le soigner, bon, il y a toute une série d'opérations rituelles très complexes, mais notamment, le pauvre gamin doit manger des entrailles d'animal, je crois que c'est du mouton d'ailleurs, pauvre bête, 7 jours d'affilée. Ah oui. Donc, le gamin mange des entrailles d'animaux, de moutons 7 jours d'affilée, et tous les jours, l'expert rituel dit en même temps, les entrailles mangent les entrailles. Donc, avec une pratique de magie analogique, où les entrailles malades de l'enfant s'identifient en quelque sorte aux entrailles de l'animal mangé par l'enfant. C'est assez compliqué, mais c'est là que l'alimentation et la thérapeutique et dite magie, puisque chez nous c'est un peu la même chose quand même, se rejoignent. D'accord. Encore une question que je pense que je reposerai aux autres, c'est est-ce qu'il y a des interdits alimentaires dans cette civilisation? Est-ce que ça touche particulièrement des animaux ou plutôt, je ne sais pas moi, des plantes, etc. Oui, en fait, on a un texte qui parle d'un tabou alimentaire sur le porc dans un contexte un peu bizarre. En fait, c'est un texte rituel qui dit que si quelqu'un a rêvé qu'il mangeait de la viande de porc, il se souille et à son réveil, il doit faire un rituel de purification qui va durer au moins 3 ou 4 jours. Et dans ce texte, on parle aussi d'une plante en particulier. Donc la plante aussi a cette propriété taboue, visiblement. Donc j'avais examiné ce texte un peu en détail. Et je pense qu'en fait, ce tabou ne s'applique qu'à une partie de la population dans une région très particulière de l'Anatolie, qui est une région en contact avec le monde sémitique. Et je pense que dans cette région particulière, il y a effectivement un tabou pour les élites religieuses, donc sans doute les prêtres et sans doute le roi local également, en raison de ses relations particulières avec les divinités, sur la viande de porc. Mais ce qu'on voit en Anatolie centrale est très différent, avec une consommation à la fois humaine et divine du cochon, qui pose visiblement aucun problème. Bien, on va continuer un petit peu. Maintenant, on va quitter les Hittites et on va arriver chez les Grecs, donc, qui sont d'ailleurs en rapport avec les Hittites, hein. Il y a pas mal de frictions, si on peut dire. Hein. Donc, quand on pense grec, on pense au banquet grec. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça retourne, ce fameux banquet, et qui y participait? Oui, donc le banquet grec était vraiment une sorte de liturgie identitaire pour les Grecs, le banquet, en fait. C'est le moment dans lequel culmine la vie sociale et politique aussi dès l'époque archaïque.
Donc, à la différence des Hittites, on a énormément de sources, et c'est surtout des sources littéraires. Et les témoignages sur le banquet couvrent toute la durée de la littérature grecque, disons, de l'épopée homérique jusqu'à l'époque byzantine, en fait. Et le banquet est au centre des productions littéraires les plus importantes de la littérature grecque. Dès Homère, on assiste à des banquets qui sont au départ assez mélangés, c'est-à-dire c'est le banquet des dieux avec les hommes. Après, on a des scènes très importantes et surtout très, très importantes du côté des réalia, c'est-à-dire des informations qu'on avait au sujet de ce qu'on mangeait au banquet et surtout de comment se déroulait le banquet. Pardon ? Les réalia, c'est un mot latin, oui. C'est un mot latin. Donc, ce qu'on mangeait et la liturgie, nous, on l'appelle comme ça, plutôt à l'époque moderne, parce que ça avait l'air d'être vraiment un moment cadencé. D'accord. Donc, déjà, qui participait à ce banquet ? Que des hommes, normalement, les femmes n'avaient pas accès au banquet, sauf de rares exceptions. Les exceptions, on peut les voir, par exemple, quand il est question des boissons qui étaient servies au banquet, c'est-à-dire, on parle assez souvent de vin doux pour les femmes, donc évidemment, il devait y avoir un certain accès pour les femmes aussi au banquet, mais normalement, c'était que les hommes et les hommes adultes. Aussi les éphèbes, c'est-à-dire les hommes encore imberbes à partir des 16 ans jusqu'aux 20 ans, pouvaient participer au banquet. Et le moment le plus important, bien entendu, c'est le premier moment, c'est-à-dire le moment de la nourriture, donc essentiellement de la viande avec des céréales qui ne manquent jamais. Et il faut quand même de toute façon penser qu'il n'y a jamais de viande sans qu'il y ait eu de sacrifice avant. Donc il y a déjà un moment religieux et pendant le banquet, c'est la viande qui est consommée, surtout à l'époque archaïque, avant l'époque classique. Il y a des énormes banquets qui sont même organisés par les cités grecques, tant que c'était possible. Finalement, après, c'est des mécènes, des bienfaiteurs, finalement, qui les organisaient pour des situations particulières, des moments politiques particuliers ou religieux particuliers, notamment pour les Jeux panhelléniques, les Jeux olympiques, etc. Et puis, après le moment de la nourriture, il y avait le moment, disons, de la boisson. La boisson, c'est-à-dire, on buvait du vin qui était toujours coupé. Donc, il y avait tant de parties d'eau avec du vin mélangé, en fait. Mais ce n'était pas uniquement le moment de la boisson, c'était le moment aussi du chant, donc de l'élégie, parce qu'il y avait quand même des déclamations de poésie. Il suffit de penser que, par exemple, les lois de Solon ont été écrites en élégie, c'est-à-dire elles étaient chantées, tellement le banquet était important que le moment politique le plus important du VIe siècle, finalement, se déroule pendant un banquet. Ou bien a été, de toute façon, composé, les lois ont été composées dans une élégie, donc dans un chant qui était déclamé pendant le banquet, normalement. Et puis ensuite, il y avait justement ces déclamations et ces chants, et on continuait pendant plusieurs heures, finalement. Il y avait aussi le moment de la liesse, de l'ivresse, finalement, de la liesse, et on en a quelques exemples bien poussés, disons, dans la production comique d'un Aristophane ou de la comédie ancienne, essentiellement. Et le banquet, en fait, s'adresse à toute la société ou seulement à l'élite ? Oui, essentiellement, ça dépend du banquet. Normalement, c'était l'élite. Lorsque la cité, disons, c'est-à-dire la population était assez contenue, on organisait, on arrivait encore à organiser assez souvent, au moins une fois par an, un banquet de la communauté où tout le monde participait, tous les hommes libres, pas bien entendu pas les esclaves, pas les femmes.
Ensuite, au fur et à mesure que les cités devenaient plus importantes et donc la population plus importante, et ils étaient, il y avait même, disons, des charges politiques, comme par exemple pour les Prytanées. Donc c'était le banquet du Prytanée et c'était un moment politique très important parce que tous les invités politiques, les étrangers qui passaient dans la ville y étaient conviés pour participer à ce moment culminant de la vie politique et de la vie démocratique. Au point que les Grecs, dans certaines réflexions qu'on a autour du banquet, se considéraient vraiment grecs dans la réflexion concernant la convivialité. C'est-à-dire il y avait une différence qui était établie qu'ils établissaient entre eux et les barbares, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas grec, en ce moment de convivialité, parce qu'il y avait des peuples qui étaient classés, disons, par la solitude du repas, et qui pour eux était quelque chose d'incompréhensible. Et comme chez les Hittites, est-ce qu'on a aussi l'association, la nourriture avec la médecine, avec les traitements médicaux? Mais bien sûr, parce que dès, disons, la révolution rationnelle de la médecine hippocratique, donc on est encore dans le 5e siècle, l'alimentation et l'aliment devient, on pourrait dire en termes modernes, un alicament, c'est-à-dire un aliment qui est médicament à la fois. Donc la médecine se posait sur un trépied qui était celui de la chirurgie, donc le fer qui soigne. Après, il y a les médicaments et après, il y a les aliments, finalement. Et donc, non seulement les aliments, toute la partie du régime, c'est-à-dire les Grecs l'appelaient la diaita, à savoir le mode de vie. Ce n'est pas uniquement l'alimentation, c'est aussi la pratique des bains, c'est aussi le mode de vie, par exemple le sport, comme on pourrait dire en termes modernes, oui. Donc le mouvement, les promenades et tout ça. L'équilibre, en fait, l'équilibre de vie. L'équilibre, oui, oui. D'accord. Et donc, il y a déjà, dès le 5e siècle, il y a des traités qui rentrent dans le corpus hippocratique qui présentent une vraie réflexion sur la place de l'alimentation dans la vie, dans la bonne santé. Et c'est là qu'on commence vraiment à trouver les bases de toute réflexion moderne de la médecine. D'accord. Est-ce que, comme je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des aliments interdits? Est-ce qu'il y a des qu'il faut éviter? Interdit, non pas du point de vue religieux, interdit du point de vue de la santé. Et encore, faut-il prendre en considération le mélange, c'est-à-dire la crassis, disaient les Grecs, le mélange des humeurs du patient, entre guillemets. Donc, pour certaines, il y a des aliments qu'il faut éviter pour certaines pathologies. Le lien n'est pas tout à fait évident pour nous les modernes, à savoir par exemple, on a des anecdotes des traités de Galien, donc on est déjà au deuxième siècle de notre ère, relatif au régime, donc à l'alimentation qu'il faut suivre, par exemple pour des problèmes de cuir chevelu, par exemple pour l'alopécie ou pour des pellicules. Donc on apprend que finalement les champignons sont très dangereux pour des problèmes d'alopécie. On apprend aussi à des interdits alimentaires pour tous ceux qui doivent travailler avec leur voix, c'est-à-dire que ce soit les acteurs, finalement, de tragédie ou de comédie, mais aussi les héros. Du coup, il y a vraiment toute une liste d'aliments qui sont faits pour la voix et les organes de la voix et qui sont complètement interdits. D'accord. Bien. Mais écoutez, on va continuer. Hein. C'était sur le banquet. On va demander à ce qu'il en est du banquet romain. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est toujours le même banquet? Qu'est-ce qu'on va voir comme changement?
Pour autant qu'on puisse s'en rendre compte, ça n'est pas vraiment le même banquet. C'est-à-dire que les témoignages qu'on a, la plupart des témoignages nous indiquent que c'est plutôt un banquet au sens moderne du terme, au sens auquel nous l'entendons, c'est-à-dire des gens qui se réunissent à table, en somme, pour manger et boire, pour prendre un repas, ce qui n'empêche pas, bien entendu, qu'il y a toujours l'un des attraits les plus grands du banquet, au moins dans certains milieux, c'est toujours la conversation entre amis, la conversation raffinée sur des sujets philosophiques ou autres. Mais on a beaucoup de témoignages sur le banquet romain, de témoignages littéraires, bien entendu, de textes. L'un des plus fameux est évidemment le banquet qui est décrit dans le roman de Pétrone, le Satyricon. Pétrone écrit sous le règne de Néron à peu près, et qui décrit un des épisodes du roman, qui est conservé par fragments. Un épisode du roman est la description d'un banquet, d'un grand repas qui est donné par un personnage qui n'est pas très, très, très relevé socialement, puisque c'est un affranchi, Trimalcion, et c'est un affranchi qui essaie de parvenir, manifestement qui ne réussit pas à parvenir, mais qui voudrait bien se mêler à une société un peu plus huppée. Donc il a réuni des convives de milieu, finalement, du même milieu que lui. Et le banquet, évidemment, ou les propos qui sont tenus dans le banquet sont un peu au ras des pâquerettes, parce qu'il n'a aucune culture, il veut faire comme s'il en avait une, mais il n'a aucune culture. Mais c'est en même temps très intéressant, parce qu'on voit bien, il y a tout un... C'est une source intéressante sur le déroulement et la nourriture qui est présentée dans le banquet. On voit bien qu'il y a toute une mise en scène du banquet. Les plats n'arrivent pas, la nourriture n'arrive pas telle qu'elle. On n'a pas fait cuire un sanglier qu'on vient apporter sur la table, mais le sanglier arrive tout entier. Et en fait, il est farci par des oiseaux. Donc on va ouvrir le ventre du sanglier au moment du banquet. Les oiseaux vont s'envoler. Donc il y a une mise en scène. Et c'est tout à fait intéressant. Alors, c'est un banquet qui se veut un peu comique, mais qui doit en même temps refléter certains déroulements de ces festivités-là. Et est-ce qu'on voit apparaître, je dirais, un plus grand luxe dans le banquet romain par rapport au banquet grec ? Oui, probablement, parce que la période romaine, les Romains sont finalement très, très attachés au luxe. On observe tout à fait clairement que la vaisselle d'argent qui est utilisée dans les banquets est infiniment plus... On en connaît infiniment plus que dans le monde grec. Ça doit bien traduire une réalité du banquet. Dans la mesure où le banquet romain est en grande partie une affirmation sociale. Hein, c'est le banquet au moins le plus chic est un moyen de s'affirmer socialement. Ou bien parce qu'on reçoit, pas forcément avec tapage, mais on reçoit ses amis, alors c'est Cicéron, c'est Pline, qui vont recevoir des gens du même milieu qu'eux, donc avoir des conversations littéraires, mais c'est aussi l'occasion de recevoir éventuellement des hôtes, des obligés qui peuvent être d'un milieu un petit peu inférieur et de montrer qui on est. D'où une certaine... C'est aussi un moyen... Si c'est un moyen de s'affirmer socialement, c'est aussi parce qu'on y montre en particulier sa fortune, bien entendu. On y montre l'apparat qui entoure le banquet, donc ça... Le banquet ne se déroule pas n'importe où, mais dans un décor qui peut être très... très, très, très magnifique.
il y a aussi toute une mise en scène avec des serviteurs, et les textes nous disent bien que les serviteurs ne sont pas, ça n'est pas n'importe qui, mais on choisit de préférence des beaux jeunes gens avec, auxquels on donne de beaux habits, parce que ça fait partie du décorum et du standing, dirait-on, aujourd'hui, du banquet. Et puis, tout ce qui garnit la table, la vaisselle en particulier, est quelque chose de souvent extrêmement raffiné. Alors, il y a bien entendu aussi, il devait y avoir des repas qui étaient beaucoup plus modestes, qui étaient moins raffinés, moins luxueux, mais on a beaucoup de témoignages sur ces banquets dans un certain milieu et qui sont manifestement très, très, très imposants. Et donc, on va voir apparaître des lois somptuaires pour réguler un peu tout ça. À certaines époques, effectivement, en particulier bon, dans les périodes où, sous la République, par exemple, où certains milieux, pendant tout un temps, vont être hostiles à tout ce qui vient de la Grèce, hostiles à tout ce qui est luxe. Et donc, on va chercher à limiter, évidemment, le luxe, et notamment le luxe de la table, mais pas seulement. On va chercher à limiter le nombre de statues qui peuvent être dédiées à tel ou tel personnage, mais aussi des lois qui vont interdire de posséder plus de tant de vases en argent. Alors, évidemment, avec un but moralisateur. Le luxe est corrupteur, bien entendu, ça c'est un thème qui court tout le long du monde romain et jusqu'à l'époque, jusqu'à la fin de l'Antiquité, quand le monde s'est christianisé. Le discours des moralisateurs du 1er siècle, d'un Juvénal par exemple, se retrouve à peu près tel quel chez les pères de l'Église. Le luxe est mauvais, le luxe est corrupteur, c'est du gaspillage, etc., etc. Mais les lois somptuaires ont aussi évidemment une fonction politique, c'est-à-dire que le luxe est un moyen pour un candidat au pouvoir suprême ou à toute forme de pouvoir, c'est un moyen de s'affirmer, de se montrer par rapport aux autres, de montrer qu'on est riche, de montrer qu'on a la puissance, les moyens. Et donc, on cherche aussi, certains cherchent aussi à limiter ce pouvoir-là par des lois somptuaires. Donc ils vont interdire de trop dépenser, de trop investir, notamment dans le banquet. Oui, Suétone parle de 3 surmulets vendus 30 000 sesterces. Donc on voit quand même qu'il y avait des sommes énormes qui circulent dans la consommation. Oui, mais bon, dans le, il y a des sommes énormes, hein, comme dans toute société. Certains ont des fortunes énormes et n'hésitent pas à les dépenser dans des choses qui nous paraissent absolument superflues. Et c'est bien ça que les moralistes, c'est bien ça que les pères de l'Église reprochent au banquet. Un des thèmes courants, en tout cas, c'est à quoi ça sert d'avoir des lits de table en argent le jour où l'ennemi est en train d'assiéger la ville. Ça ne servira à rien du tout. Utiliser cet argent pour le distribuer aux pauvres. Oui. Bon, on va faire une petite pause.